faire au vif? Bonjour, en fait je suis en train d'apprendre l'anglais en ce moment et il y a Wonder et Jérôme qui m'ont laissé des petites phrases pour améliorer mon anglais. Je vais vous en prendre une un peu au hasard. Ok, celle-là, ok. En dessous, je vais vous mettre la traduction de ce qu'ils m'ont mis eux et ensuite on s'y traduit. I like to lick my grandfather's balls. C'est-à-dire, puis-je avoir du pain pour mon repas? Mais en vrai, je pense que le meilleur moyen, c'est d'être sur place. C'est quoi ça? Oh, une mouche! Ah, mais c'est vraiment dégueulasse! Ben voilà, bienvenue à New York. Bon les gars, premier restaurant à New York. On est là pendant 8 jours. Ça va être des petites vacances vraiment sympathiques. Moi c'est la deuxième fois que je vais à New York. Et Lorraine c'est la première fois. Elle est où Madame Lorraine? Elle est là. Et du coup, bah, premier restaurant, on mange à Arby's. On sait pas trop ce que c'est. Et Lorraine a dit Roby. Ils ont marqué Ruby. Voilà, sympa. Moi j'ai pris des espèces de frites comme ça là. Alors bon, j'ai pris un Big Burger et j'ai pris une boisson frère. J'ai pris, c'est taille L ou XL? La large. Taille L. Voici le truc, ça fait la taille de mon anus quand je chie des jalapenos. Jalapenos qu'on a pris. Voici les jalapenos. Voilà. Du coup ça va être trop bon. Premier repas, t'as pris quoi toi? Des mac and cheese. T'as pris des... C'est quoi ce truc gluant? J'irais des lèvres de tâche. Voilà, ça va être succulent. Et bah bon appétit les loustiques, on se retrouve dehors. Bon ça y est, on a fini de manger. C'était vraiment pas extraordinaire, c'est pas une adresse que je vous recommande. Ce que j'ai vraiment adoré, c'était la boisson illimitée. J'ai pris trois fois mon gobelet rempli. Je sais pas trop si ça se dit, mais c'est pas grave. Du coup là, je vais le ventre bien gonflé. Et je crois même que j'ai un énorme caca-prout qui se prépare. Du coup, on est arrivé devant notre hôtel. C'est le Double Tree by Hilton. On va vous montrer la chambre et la vue aussi, parce qu'on a une vue vraiment extraordinaire. Donc voici notre chambre. Bon, c'est un peu le zbeul, hein. Mais voilà. Ouais, les appartements sont assez chers ici, les Airbnb et tout, etc. Mais tous les hôtels sont assez chers, de base. Mais celui-là, il y avait une promo sur Booking, je sais pas quoi, donc on s'en sort pour un tout petit peu plus de 100 euros la nuit. Mais Times Square, on est vraiment à 3 minutes. Ouais, genre 5 minutes max de Times Square, donc c'est vraiment bien placé. C'est trop bien. Je vais vous montrer la salle de bain. La salle de bain. Voici, avec une belle douche, glace à l'italienne. Et voici notre vue. Voilà. Oh, c'est de la saucisse. Du coup, on va dans le sud de Manhattan parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de voir et de vous montrer et que Lorraine n'a jamais vu parce qu'elle n'est jamais vue dans ce pays. Oui. Oh, elles sont belles. Elles ont des têtes qui brillent. Bon, direction le sud. Surprise! Et contente! Joyeuse année, pas du tout. Non. T'es en avance? Léa, Harry Potter! C'est Edwige! Ah ouais! Elle doit peut-être chouette. C'est Jajou! Ah oui! Elle est chouette, très chouette! Oh. On cherchait des agados ce matin. Donc, qu'est-ce que t'as trouvé? Un petit jersey Poudlard. Il est beau, ouais, il brille, hein. J'aime pas trop ça. Parce qu'en plus la matière elle est rigide. Et puis au lavage ça va pas être foufou, hein. Ouais, mais c'est exactement les mêmes coupes et tout que les jerseys Disney. Celui-là il est très beau. Il est beau, ouais. Il est simple, efficace. Harry Potter, New York. New York. Stylé. Mais 70 dollars quoi.
Waouh, c'est pour Jérôme ça. Qu'est-ce que t'as trouvé encore? Un sac. Alors ce n'est pas un lunch fly, hein. Mais il est beau. Il y a toutes les maisons. Serre d'Aigle, Serpentard, Gryffondor. Et la maison de Robby, c'est la pousse souffle. La mange merde. Je dis ça, c'est les mange merde. C'est quoi le logo? C'est les méchants, ça. Oui, c'est les méchants. Mange, regarde. Ah. Mange merde. Ah. Eat, caca. Caca prout. Vraiment pas mal la petite boutique, hein. Franchement, elle est presque plus jolie que la boutique qu'on a trouvée au studio Harry Potter à Londres. À Londres, c'est vrai. Ouais. Là, il y avait vraiment toutes les écoles. Et il y avait vraiment tous les décors de toutes les écoles. Et je n'ai absolument pas vu de jersey à Londres. Oh, ouais, c'est vrai. Bon, let's go pour voir la suite. Bon, Lorraine, oui. Je vais t'amener à un endroit de film. D'accord. Culte. Tu dois essayer de reconnaître. Je suis pas très très forte, hein. Ah ouais? Non. Ok, c'est un film culte. D'accord. Nous sommes sur les lieux... Du crime. Du film. Du crime du film. Les gens vont voir ça. Ok. Toi, t'as toujours pas la ref. Tu l'as vu Titanic? Oui. Et bah c'est pas Titanic. Oui. Tu l'as vu Les Mignons 2? Ouais. C'est vrai? Oui. Et bah c'est pas Les Mignons 2. Oh, d'accord. Autour de toi. Tu vois cette maison là-bas? Oui. C'est quoi? C'est une maison. Hein? C'est une maison. Oui, c'est dans un film. Avec un chien qui meurt à la fin. Et dedans il y a Will Smith. Ah, La Recherche du Bonheur. Pas du tout. Ah non. Je suis... Exactement. J'aime pas trop sinon. Voilà, on a fait 45 minutes de suite. Ouais, de je suis ravie. Tu me dises que t'aimes pas. Bah non. Bah voilà, il habite là. Super, on merci. Va le voir. Allez, on s'en va. Non mais attends, il nous invite à manger. Oui, super, bah on y va. Ah bien, faim. Et on y va. Ok. Attends, c'est un film culte. Pas de couilles. Et pourquoi? Tu m'as fait marcher 50 minutes pour ça. On a fait 10 km à pied pour ça. Oui, mais parce moi, que c'est... tu m'as pas dit ce que c'était. Mais moi, ça me fait du bien. Et Will Smith juste derrière t'es nous. T'es déjà venu il y a 10 ans. Oui. Oui. Voilà. Mais j'avais pas filmé. J'avais pas besoin de refaire. Bon, Lorraine, est-ce que t'es prête à découvrir un truc de zinzin? C'est vraiment ta boutique de chaussures. Ah non, non, c'est pas ça. Mais c'est bien aussi. Mais viens, t'inquiète. Est-ce que t'es prête à découvrir les meilleurs cookies oui, de ça New oui. York? Ça oui. Ah, ça vaut le coup de faire 50 minutes de marche. Je sais pas, on verra. Hein. So dégustation du meilleur cookie. Ça c'est le tien. De New York. Ils sont énormes. Attends, déjà. Tu peux prendre celui-là. Pourquoi? Tu le découpes, tu le coupes en deux. Ah. Attends. Pour montrer vraiment la mouillance. On dirait presque un gâteau quoi. Allez, dégustation. Vas-y toi. Dégustation. Mmh. En plus, c'est chaud. C'est très très bon. T'as pris à quoi toi? Chocolat. Chocolat et noix, noisette. C'est bon. Franchement, c'est bon. C'est mou et tout, j'adore. Mais le tien, alors un peu plus mou avec du chocolat fondu et tout que le mien. J'avais un petit peu soif, du coup on est parti dans une épicerie, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais j'ai demandé un petit iced tea tranquille. Du coup voilà, un petit bidon. On va essayer de goûter tout vrai, ça. C'est moins cher que de l'eau. C'est combien? Je crois que c'est 2 dollars. 2 dollars, du coup on va goûter le bidon. Ça goûte Robby, ça goûte. Et bah, on m'a toujours dit que au State, t'étais surdimensionné. Je ne trouve pas. Du coup, après avoir mangé des excellents cookies et après avoir bu 8 litres. Un tonneau, on est rentré à l'hôtel parce qu'on a super mal au Gibbol et on aurait aussi fait pipi zizi et on a fait caca prout. Du coup, là, on va à Rottweiler Center. Non, c'est pas Rottweiler. C'est quoi? C'est Rockefeller. Rockefeller Center. C'est non, où il y a la patine. Rockefeller. Mais c'est plein de chiens. Rockefeller. Rockefeller Center.
pour voir s'il y a de la patinoire. Et surtout, on aimerait trop manger. Ça fait encore, on n'a pas trop mangé. Quoi? J'ai tellement mal aux jambes. Mais est-ce que tu peux dire aux gens que j'ai abandonné la moitié de mon cookie quelque part et je sais pas où? Tu l'as oublié dans le Uber? Bah, tu me dis que non. Je sais pas, ce truc est dans mon sac là. On va tester le Subway de New York. Et je ne parle pas du sandwich. Je parle du métro new-yorkais. Tu mets ta carte. Nous sommes à Rottweiler Center. Ouais. Avec la magnifique tour. Il est où l'hôtel? Lequel? Du film. Maman, j'ai raté l'avion? Oui. Pas du tout là. Ah. Bah non. Oh, c'est ça que je voulais voir. C'est vers Central Park. Mais c'est ça que je voulais voir. On moi. On peut y aller à pied. Regardez comme c'est beau. Petit jeu, Lorraine. Oui. Comment s'appelle la boutique de jouets dans Maman, j'ai raté l'avion? Ça commence par un D. Je sais pas, je sais que c'est le nom du mec, non? Oui. Mais je me rappelle plus du nom du mec. Est-ce que vous l'avez? Dites-le moi en commentaire, mais ça commence par un D. Après, il y a un A. Da-da. On est devant l'Hôtel Plaza, là où il s'est passé beaucoup de trucs dans le film Maman, j'ai raté l'avion. C'est vraiment oufissime. C'est là, je vais vous faire des petits plans sympas. Est-ce que toi, ça fait partie de tes films préférés? Préféré, non, je vais pas se dire ça, mais ça fait partie des films genre cultes et à Noël, j'aime le regarder au moins une fois, ouais. Le 1 ou le 2? Le 1. Ah, là c'est le 2. Ah. Ouais. J'aime bien le 2 aussi. Le 2 il est bien... Oui, le 1 il est chez lui. Ouais. Oui. Et juste là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un parc. Il y a la Dame aux Pigeons. La Dame aux Pigeons. Ça s'appelle Central Park. Oui. Mais c'est comme dans le film. Hein. La nuit, il n'y a que des zombies. Les gars, je suis content. J'ai demandé si on peut visiter les lieux du film, quoi. Le Plaza. Il nous a dit oui, du coup on y va, ça va être incroyable. Alors quand on rentre, c'est comme ça, c'est pas du tout comme le film. Hein. Non, quand on rentre, il arrive direct à la réception. Ouais. Du coup, on vient de passer une porte de là où on était. On va voir si c'est la même réception que dans le film. Apparemment, c'est là-bas. Oh, c'est tout en marbre, c'est tellement beau. Bon, on a vu la réception comme dans le film, mais on peut pas y aller. Il y avait des agents de sécurité et tout. Mais l'hôtel, ça se voit que faut être milliardaire pour être ici. Du coup, on n'est pas encore milliardaire. Peut-être un jour on dormira ici. Hein. Ça serait vraiment le big rêve. Ça fait vraiment plaisir de retracer les pas de Kevin McAllister de Maman, j'ai raté l'avion. Et là, on va traverser toute la carte pour entrer dans notre hôtel et manger surtout, parce qu'on n'a pas encore mangé ce soir. Non. Il est quelle heure? Il est 21h35, on n'a encore rien englouti depuis nos cookies magnifiques. Bon, ça y est, on est rentré. Petit dernier repas de la journée. On a fait environ 20 km de marche. Tu manges quoi toi du coup? Sandwich. Sandwich? Ouais, que t'as pris à l'épicerie? Ouais. Moi j'ai pris des nouilles au chicken, 11$. Moi j'avais peur de caca-cucu avec ça. Ouais, moi aussi caca-cucu, caca-prout. Et deux parts pizza, t'en as pris une pour toi aussi? Peut-être, je verrai, c'est 1,50$ la part. Ouais, 1,50$, c'est vraiment donné quoi. On va manger et on se retrouve demain matin. Les gars, nouvelle journée à New York. On a fait un peu de marche, on a fait environ 2 minutes de marche de notre hôtel. Et on y est devant la pizza, peut-être la plus célèbre de New York. Est-ce que vous avez reconnu? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Toi, est-ce que tu sais? Non. Enfin, maintenant oui. Oui, mais là tu me mets devant, je ne sais absolument rien. Exactement, voilà. C'est dense. Les premiers. Donc voilà, on y est, Joe's Pizza. On va manger une part ou... Non, non, absolument pas.
Ouais. En vrai, il faut dire quand même que les pizzas ici, elles sont pas chères, mais elles sont pas bonnes. Ouais, c'est vrai. Voilà, on peut pas avoir les deux. Mais juste à côté, on a vu un restaurant où il y a que des céréales, du milk. Donc on va se prendre un petit bol de céréales. Attends. Mais j'ai vu ça sur les photos, mais ça se trouve, c'est pas ça. Oui, et puis les gens savent très bien que t'es complètement intolérant au lactose. Donc tu sais très bien ce qui va se passer une fois que t'auras bouffé ton petit bol de milk et de céréales. Je peux faire caca-proute à tout moment. Donc on verra si je fais caca-proute. Bon, heureusement, c'est fermé les céréales. Ça ouvre à 11h, il est 10h30. Mais là, juste à côté, il y a un magasin de zinzin, de bonbons immense qui s'appelle High Sugar, I Know You Want It. C'est-à-dire, j'aimerais sugar. Trop te manger. Hein? Sugar Baby, et du coup on va visiter cela, c'est très beau, il y a deux étages, c'est immense. C'est combien ça? Ça c'est 9 dollars et c'est un gros nounours à manger en bonbon. Ouais, je vais vous montrer la déco, c'est quand même très très beau. Hein. C'est très très grand. Il y en a un plus gros encore. Oh c'est beau, moi j'aime bien les trucs bouillants. Mais est-ce que tu comment tu manges après une fois que tu l'entames? Déjà moi je veux pas du bleu. Je veux du rouge. Oui, ça. Oui. Mais comment tu fais pour le manger? Bah, étape par étape. Mais frère, c'est impossible. Impossible. Alors, tout ça, c'est de la gelée, c'est ça? Non, ouais, enfin, c'est des bonbons gélifiés, quoi. Ouais, ils sont énormes. Moi, franchement, je suis là. En fait, ils sont super forts en petit nounours ici. Ils appellent ça des gummies. Gummies. Et c'est trop beau, mais ça. Et même. Ça, c'est vraiment stylé. Vous savez, dans nos champs, on distribue des fois des parts de pizza. Là, ouais. On est à un level au-dessus, quoi. Elles sont épaisses. Et c'est beau. Ça, c'est une vraie pizza de pepperoni de la maison. De la pepperoni, mais du coup, c'est 17 dollars quoi. Donc, j'aime bien ça, le shark. Ouais, mais t'as déjà goûté. C'est tellement lourd. Chez Action, on avait pris, c'est pas bon. Avec le bug, c'est ça? Ouais, bah justement avec le bug où on a pu retenter sans s'arrêter. Et ben, on a arrêté parce qu'on en avait marre. Hein. Non, on a arrêté, c'était au full. Ah. On a profité de tout le bug. Ouais. Voilà.
Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai hâte de les mettre dans mon cul. Ouh, gousou, gousou. Bon, ça y est, on est enfin arrivé. Oui. Aux céréales machin, mais qui ne sont pas des céréales. Non, en fait. C'est de la glace. C'est de la glace. Voilà. Ouais. Du coup, ça se présente comme ça. Là, notre petit pot. On va se régalouse à régalouse. On va goûter les petites chasses de Teletubbies. Voilà, comme vous pouvez voir, en fait, c'est de la glace. C'est bien de la glace quand il fait moins 1 degré. Quelle bonne idée, Roby. En vrai, c'est bon. C'est bon. En plus, t'as attendu au moins 1h30, quoi. Ouais. Mais c'est en retard. Mais je comprends pourquoi il n'y a personne qui va. Voilà. Bon appétit. Bon, c'est enfin arrêté pour manger. On s'est arrêté au Bagel Market. Et franchement, c'est super bon. Je vais vous montrer ce qu'on a pris. Du coup, on a pris une petite salade à deux. Oui. Parce que j'essaie de faire un petit peu attention à mon poids. Bien sûr, je rigole. J'ai pris un énorme bagel. Qui dégueule. Ça va être succulent. Avec un jus d'orange. Même si je digère pas et que j'ai chier partout, c'est pas grave, j'adore ça. Bon appétit, madame. Maintenant, direction le Madame Tussaud. Madame Tussaud, c'est un peu des célébrités faites en cire, mais genre giga bien fait. Et dans Madame Tussaud, il y a un moment où tu visites tous les films d'horreur. Et c'est vraiment ça qui m'excite. Parce que j'adore les films d'horreur. Et c'est trop bien fait. Ça va être trop bien, ça va être trop bien. Rendez-vous tout de suite, parce que là, il pleut blanc et il fait trop froid. Bien. C'est hyper perturbant parce qu'il y a ses tatouages et elle a même sa manucure qui est faite. C'est du Alipa, c'est ça? Oui. Elle est stylée, hein? Elle est très belle. Ouais. Tu penses qu'elle sent des aisselles? Non. Ah, elle est propre. Bravo, Dua. Je suis avec Miley Cyrus. Bon, par contre, elle est vraiment petite, hein. Elle arrive à la taille de ma gougoute. Mais elle est vraiment stylée, hein. Tu vois? T'as des caries, non? Non, ça va. T'as une bonne haleine. Comme toi. Oui. Deny all you want, be a text, no response. Are you still up? Still thinking of us? Can we make up? It's so hard to forget all the bad things that went on between us. Those times are better. You know we were better. I know that we're nervous, but all I want is you. Hanging on your front porch, arguing about who loved who more. Let's take it back to you and I. I'm your scarlet letter, only one who knew you better. Thank you.
vraiment bien. Oui. T'as bien aimé? Très très cool. Je tourne. Très très. Je tourne la caméra. Oui, très très cool. C'était bien. J'ai eu un peu caca de culotte dans les trucs qui font peur. Ouais. C'était vraiment très bien. C'est bien fait. Hein. Très bien fait. Ouais. Je me suis acheté un petit cadeau. Ça, c'est un t-shirt. Je sais pas si ça va m'aller, mais en tout cas, la boîte, j'adore. Du coup, it's a souvenir. Comment on dit souvenir? Memories. Memories for my tête. Ça fait plaisir. Voilà. J'espère que vous avez kiffé ce petit vlog. Rendez-vous dans 2, 3, peut-être 4 jours pour l'épisode 2. Voilà. N'hésitez pas à t'abonner, à mettre un petit abonnement, un petit commentaire. Ça fait plaisir. Ça mange pas de pain. Comment on dit pas en anglais? Bread. Ça mange pas de bread. Abonnez-vous et à très vite. Des bisous tout le monde. Salut les loulous.